Pardon, excusez-moi, c'est pas à vous. Alors, je pense d'habitude ça va avec ça, en fait, c'est pour ça. Pardon, je te l'emprunte. Excuse-moi. Tiens, je te le passe. Tu sais l'allumer? Tu sais l'allumer, vas-y. Ouais. Hop, normalement, ça fait ça. Ça devient bizarre. Hein. Pense à une carte. Comme ça, on est sûr, je peux plus t'influencer. Ouais, tu m'en dis une, celle que tu veux. Une qui passe par la tête. Le 4 de carreau. Le 4 de carreau, pas le 8 de trèfle parce que je préfère. Non? 4 de carreau. Tu sais où est le 4 de carreau? Ah, il est pas très loin, il est juste en l'air là. 4 de carreau, regarde, il fait ça, il faut faire 1, 2, 3. Une carte qui sort et ça ressemble au 4 de carreau. Je m'appelle Clément Kersten, je suis magicien, étudiant en deuxième baccalauréat en sciences vétérinaires ici à Liège. Clément, effectivement, est un de ces étudiants auxquels on est confronté depuis quelques années. C'est donc quelqu'un qui a une pratique artistique depuis des années, une pratique artistique de haut niveau, qui n'a pas l'intention d'abandonner et qui ne souhaitait pas abandonner en entamant des études universitaires. Et donc le statut d'étudiant artiste, il a été un peu créé pour répondre à des besoins comme cela, des besoins assez spécifiques de gens qui veulent mener deux carrières de front, une carrière universitaire et une carrière artistique. Au début de l'année scolaire, j'ai eu la chance que l'ULG mette en place un statut étudiant qui me permet en fait d'adapter magie et mes études, de mener les deux de front. Et donc je peux modifier des horaires de TP, parfois même jusqu'à déplacer un examen, etc., qui va me permettre de faire mes spectacles, de pouvoir répéter, etc. Les profs sont très compréhensibles pour ça. C'est-à-dire que j'ai sur chaque carte un petit bouton monté et un petit bouton descendre. Tu vois, on peut le voir ici. Tiens, appuie sur le bouton monté. Ding, t'as entendu? Il y a une seule carte qui remonte, c'est le 10 de trèfle, c'est bien ta carte? Non. C'est vrai? Non. Bon, c'est parce que d'habitude, dans ce cas-là, je fais deux tours et ça devient ta carte. Ça marche ou pas? Hein? Sans le statut, j'aurais moins de possibilités de m'entraîner, etc. Et donc, moins de possibilités d'avancer aussi vite que ce que je le voudrais, pouvoir voyager, aller dans des congrès, etc. Et donc, ça me freinerait clairement. Donc ici, ça me permet d'avancer presque aussi vite que si j'étais pas en VT, quoi. Comme pour les étudiants artistes, les sportifs ont besoin d'un environnement favorable pour pouvoir continuer à travailler au niveau de leur passion sportive et évoluer et éclore dans le domaine du sport, mais naturellement avoir des perspectives futures de carrière. Le sport, comme la carrière artistique, est quelque chose de très aléatoire et il est très important naturellement que les sportifs puissent obtenir un diplôme. Je m'appelle Akin Pitts, je pratique de la roue acrobatique, appelée wheel gymnastics en anglais, et je suis étudiant en ingénieur civil à l'Université de Liège. Donc c'est deux cerceaux métalliques reliés par des barres transversales et on y fait de la gymnastique comme les barres parallèles et comme la barre fixe, sauf que la roue est en mouvement et que tout cela se fait en mouvement. Quand j'ai commencé mes études, j'avais bien sûr des soucis, comment concilier études et sport à haut niveau, avec entraînement tous les jours et compétition. C'est alors qu'on m'a parlé du statut de sportif de haut niveau à l'Université de Liège. Un de leurs principaux avantages, spécifiquement pour les sportifs, est cet encadrement médical qui est proposé au CHU de Liège, qui est spécialisé dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Les statuts étudiants sportifs et artistes ont été créés à la rentrée académique 2010-2011. Ils s'inscrivent dans la volonté de l'université de promouvoir la réussite pour tous, quelle que soit la situation particulière des étudiants. Depuis longtemps, les étudiants qui sont en situation particulière ont droit à des aménagements qui sont faits au cas par cas dans les facultés et individuellement. Ici, l'idée était vraiment d'officialiser les statuts. Ça permet vraiment d'avoir une économie d'énergie et de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'était très important psychologiquement. C'est ça qui m'a rassuré et qui m'a dit ouais, voilà, tu peux continuer, ça vaut la peine que tu continues à t'entraîner. Quand il y aura des compétitions, on trouvera une solution. Et le but, c'est vraiment de ne pas empêcher ou de ne pas briser toute une série de vocations. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'université qu'on doit arrêter tous ses rêves, d'arrêter tous ses projets. Et ça permet en fait de pouvoir continuer à faire deux expériences enrichissantes en même temps. Pardon, je vous l'emprunte.
Ça se voit pas bien, c'est tout petit, mais quand je passe devant, on s'est rendu compte que ça ressemblait à quelque chose. C'est pas mal, hein. Tiens, je te le donne. C'est le tien. En fait, il est pas loin, il est dans ta main. C'est vrai qu'on le voit pas encore, c'est la lumière qui est mauvaise, mais quand je pivote, regarde, quand j'ouvre la main, on la voit mieux. T'as vu ? Bon, je vais t'expliquer. En fait, elle devient invisible. Regarde, je fais ça. Et là, on a vraiment l'impression de la voir devenir invisible. Bon, là, on voit plus rien, mais quand on la lance en l'air, il y a un moment, elle revient. Tu vois, c'est maintenant. Bon, je vais te dire, ce qui va se passer sera plus clair. Regarde, elle va passer d'en bas en haut. Même au ralenti, je peux te le faire. Rien en haut, elle est en bas. Et on la voit passer. Les étudiants intéressés par le statut doivent rendre un dossier pour le 30 septembre de l'année en cours. Une commission évaluera le dossier et statuera pour voir si l'étudiant a droit au statut ou non. Tous les deux ans, il y a un championnat du monde pour lequel j'essaie de me qualifier. Cette année, c'est la quatrième fois que je me suis qualifié pour ce championnat. Je suis maintenant au départ dans la catégorie senior. Mon objectif, c'est d'atteindre une place dans le top 10. Maintenant, mon but, c'est de devenir magicien. Si la magie venait à pas marcher, parce que voilà, c'est un métier aléatoire, avec la crise, on ne sait pas comment ça va, on ressent, etc. Ben, j'aurai toujours une autre passion qui est à côté de moi, vétérinaire. Et donc, dans les deux cas, moi, je vivrai une de mes passions. Donc, c'est bien pour moi, quoi. Je suis content.